Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on est arrivé à notre 13e vidéo où on va traiter la présentation et la rédaction de la feuille de maître. D'accord? Donc on a déjà dit que voilà, le maître, c'est quoi? C'est un calcul de quantité de matériaux nécessaires pour la réalisation d'un ouvrage. D'accord? Et on a dit que derrière ce calcul-là, donc on va calculer soit une surface, soit un volume, soit un périmètre et des fois aussi un poids. D'accord? Dans le cas de ferraillage, par exemple. D'accord? Maintenant, le calcul de maître ou bien le travail d'un maîtreur, c'est comme j'ai déjà aussi dit que c'est pas un calcul qui nécessite beaucoup d'intelligence, mais c'est un calcul qui nécessite une personne qui fait un travail minutieux, qui fait un travail méthodique. D'accord? Et concentré, bien sûr. Donc, bien sûr, pour ne pas faire des erreurs, pour éviter tout risque, d'accord, d'oubli, d'accord, on a proposé, d'accord, une feuille normalisée, d'accord, que tous les maîtreurs doivent utiliser pour leur faciliter la tâche, pour qu'ils puissent établir leur maîtrise conformément, aisément, et ça permet aussi de faciliter la vérification et bien sûr la validation par une autre personne. Bien sûr, en tant que maîtreur, quand je fais le calcul, c'est pas pour moi-même, c'est pas un calcul personnel, non, mais c'est un document contractuel qui va être inclus dans un cahier de charges, par exemple, ou dans une offre financière. Ce qui fait, il y a d'autres personnes qui vont le voir, qui vont le vérifier, qui vont le valider. Donc, pour faciliter toutes les opérations de vérification, que ce soit par le maîtreur, vérification, validation par une autre personne, d'accord, on a proposé une feuille, d'accord, et bien sûr, la plus simple, la façon la plus simple, d'accord, de rédiger un truc, c'est le rédiger dans un tableau, d'accord. Très bien, donc c'est pourquoi j'ai déjà dessiné le tableau. Donc nous avons ce tableau-là, d'accord, et on va essayer de utiliser l'exemple que j'ai mis ici. Donc ici, ce sont des plans, d'accord, de quelques éléments de construction qu'on va utiliser pour expliquer comment je peux rédiger ma feuille de maîtrise. D'accord? Donc, comme vous voyez, la feuille de maîtrise, c'est là. Je n'ai pas encore rempli les cases, d'accord, pour aller doucement. Donc, nous avons ici quoi? Donc, nous avons un tableau. Il y a combien de colonnes? Donc, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a 12 colonnes. D'accord? Donc, pour les débutants, d'accord, on préfère que le tableau soit avec 12 colonnes. Mais bien sûr, après, on peut le rétrécir, d'accord, et mettre moins de colonnes. D'accord? Donc, la première colonne maintenant, la première colonne ici, on met quoi? On met quoi dans la première colonne? Donc, dans la première colonne, on met le numéro d'ordre. Le numéro d'ordre. Ça veut dire quoi le numéro d'ordre? D'accord? Ça veut dire quoi numéro d'ordre? Un numéro, ça veut dire un chiffre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en fait les postes que vous devez calculer, que vous voulez calculer ici en ordre. J'ai déjà signalé ça, que bien sûr le maîtreur, lors son établissement de maîtrise, il doit suivre effectivement l'ordre chronologique des tâches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux réaliser l'ouvrage, tu vas commencer par quoi? Par exemple, je dis, je vais commencer par terrassement. Eh bon, ça serait le terrassement, le premier poste que vous allez calculer en tant que maîtreur, dans le maître. Dans le terrassement, j'aurai quoi comme poste? Donc, parce que le terrassement, c'est l'ensemble des travaux exécutés sur terrain, d'accord? Qui concerne en fait le terrain. Donc, vous avez le décapage, par exemple, vous avez le déblai, vous avez le remblai. Donc, qui est le premier poste qu'on fait avant? Donc, est-ce que c'est le décapage, le déblai ou le remblai? Bien sûr, c'est le décapage. Donc, tu dois calculer le décapage. Donc, c'est ça. C'est mettre les ouvrages ici en ordre chronologique. Chronologique, c'est-à-dire timing. Qui est la tâche qui va précéder les autres? Qui va commencer la première? Qui est la deuxième? Qui est la troisième? Ainsi de suite. Bien sûr, cette règle, si tu vas la respecter, il va t'aider à ne pas oublier. D'accord? À ne pas oublier les postes, d'être méthodique, d'accord? Et bien sûr, de limiter les erreurs.
Donc ici, on va mettre des chiffres. Mais ces chiffres-là, ils vont être affectés à des postes ici. D'accord? Donc ici, dans la deuxième colonne, j'ai quoi? J'ai la désignation des travaux. Ou bien des ouvrages. Des travaux. Ce sont l'ensemble des tâches qu'on va réaliser. D'accord? Qu'on va faire. Donc, par exemple, je mets un, par exemple, pour, je mets un pour un, d'accord? Par exemple, pour terrassement. D'accord? Terrassement. Et je vais mettre, par exemple, deux. Donc, après, normalement, les terrassements, on effectue quoi? On effectue les fondations. Donc, par exemple, j'aurai la fondation en deux. Et après la fondation, par exemple, j'aurai trois, les éléments porteurs. D'accord? Les éléments porteurs. Donc, j'affecte à chaque poste ici un numéro. C'est obligatoire. D'accord? C'est obligatoire. D'accord. Donc, pour les terrassements, comme j'ai dit, terrassement, c'est quoi? Ça regroupe l'ensemble des travaux liés au terrain. D'accord? Donc, je trouve le décapage, je trouve le déblai, je trouve le remblai. D'accord? Donc, je ne peux pas traiter tous en même temps. Donc, je dois les diviser. Le décapage, ce n'est pas le déblai. Le déblai, ce n'est pas le remblai. Donc, je vais faire quoi? Comme j'ai dit, je suis l'ordre. D'accord? Je suis l'ordre chronologique. Donc, puisque je vais commencer par un décapage, donc après terrassement, je vais écrire décapage. Donc, je vais le mettre en noir. D'accord? Donc, décapage. On va expliquer par la suite, ça veut dire quoi décapage et quel est le rôle de décapage de chaque poste. Mais pour le moment, donc, on va écrire juste les noms. Donc, décapage, décaper le terrain pour nettoyer le terrain, pour enlever ces terres végétales. D'accord? Donc, comme vous remarquez ici, que le décapage est un poste inclus dans le poste de terrassement. Donc, aussi, je dois lui affecter un numéro. Mais je ne vais pas mettre deux. Pourquoi? Parce que le décapage, c'est une tâche incluse dans les terrassements. Donc, on ne va pas mettre deux. Non. Deux quand tu vas sortir des travaux liés au terrassement. Donc, puisque tu es dedans, tu vas mettre un chiffre moins. C'est comme le fait de noter un paragraphe. Tu as le chapitre, tu vas noter le paragraphe sous paragraphe. D'accord? Donc, on va faire quoi ici? Tu vas prendre un 1 parce qu'il appartient au poste numéro 1 et tu vas rajouter un autre 1 parce que c'est le premier poste dans le poste terrassement. Donc, c'est 1-1. Par exemple, je vais faire un déblai. Un déblai. Défouille, par exemple. D'accord? Donc, je vais mettre quoi ici? Donc, puisque 1-1, ça, c'est bon, elle a été prise. Donc, je ne peux pas reprendre ça, c'est une autre marque. Je ne peux pas utiliser le numéro deux fois. Un numéro de poste ne doit pas être répété plusieurs fois. Il est écrit une seule fois. Donc, je vais prendre ici 1-2. Et après, par exemple, je vais effectuer un remblai. Ou des remblais. D'accord? Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre 1-3. D'accord? Tirer 3. Ainsi de suite. D'accord? La fondation aussi. Donc, la fondation, peut-être, j'ai un béton de propreté. Donc, les semelles, j'ai des bétons de propreté. Donc, je vais quoi faire ici? Quoi mettre ici? Je vais mettre 2, puisque ça appartient au poste 2, 2-1. Et par exemple, béton de fondation, béton de semelle. Béton de semelle. Donc, ça va être quoi? Ça va être 2, 2. Les éléments porteurs. Donc, les éléments porteurs, j'ai des poteaux, par exemple. D'accord? J'ai, par exemple, des poutres. Et j'ai des dalles. Donc, ici, poteau, on va mettre 3, 1. Poutre 3, 2 et dalle 3, 3. Ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est comme si tu vas numéroter des paragraphes dans un texte. D'accord?
Très bien. Donc, pour la case, pour la colonne numéro 1, on trouve les numéros d'ordre. Comme j'ai déjà dit, il ne faut pas répéter un numéro deux fois. D'accord? Et la désignation des travaux, il faut écrire les noms des postes clairement. Ils doivent être explicites. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer d'abréger ou utiliser des mots d'abréviation. Par exemple, Erasmus, je mets TER. Ou bien des capas, je mets TER. Non, non, il ne faut pas utiliser ça. Il faut que le maître soit très clair pour une autre personne. D'accord? Mettez-vous à la place de l'autre personne qui va vérifier, qui va voir ça. Donc, comment il va connaître que TE2R, ça veut dire terrasse. D'accord? Mais bien sûr, pour des noms, par exemple, comme le béton armé, bon, il n'y a pas une personne qui travaille dans le domaine qui ne connaît pas que B.A, c'est un béton armé. D'accord? Donc, tu peux utiliser BA, pas de problème. Mais pour des noms, tu vas toi, pour toi, mettre un symbole, non. Donc, il faut que les postes soient clairs. D'accord? En tout cas, pour nous et pour la formation, donc, les postes sont déjà donnés. Donc, dans le travail demandé, quand vous avez un exercice de maîtrise, il vous donne en premier lieu le descriptif et après, il vous donne le travail demandé. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? Et dans ce travail demandé, il vous liste les postes. Donc, pour toi, il suffit juste d'écrire ces postes correctement, bien sûr, et d'accord, et ne changez pas les noms des postes. Il faut les prendre comme ils sont. Très bien, donc c'est pour la colonne 1, la colonne 2. La colonne 3 ici, donc je mets l'unité. On a déjà dit aussi dans la première séance que avant de faire les calculs, je dois préciser l'unité de calcul. Donc est-ce que je vais calculer en mètre carré, en mètre cube ou en mètre? D'accord? Pourquoi? Pour utiliser la formule adéquate, appropriée. Est-ce que je vais utiliser un volume? Je vais calculer un volume ou bien une surface ou bien un périmètre. D'accord? Donc, pour l'unité ici, nous avons l'unité des postes totales, la deuxième, donc des postes totaux, des postes totales, globales, généraux. D'accord? Et nous avons des postes partiels. On met les postes partiels. Donc, j'écris l'unité. D'accord? La question qui se pose maintenant, je vais écrire l'unité ici, ou bien dans les postes. Non. Vous avez une règle, en fait. Si vous avez l'ensemble des postes partiels en la même unité de mesure, tu vas l'écrire affecté au poste total. Mais si les postes intérieurs ont des unités différentes, non. Il ne faut pas écrire l'unité ici, mais tu dois affecter à chaque poste son unité. D'accord? Je donne un exemple. Par exemple, supposons par exemple le décapage et les demander en mètre carré. Le cas général, le mètre carré. Le déblai, il est demandé en mètre cube. C'est le cas général. Et rempli aussi en mètre cube. D'accord? Donc ici, vous remarquez que le décapage, il est en mètre carré, c'est-à-dire c'est une surface. Ça, ce sont des volumes. Donc ici, je ne peux pas mettre mètre carré, je ne peux pas mettre cube. Donc je ne vais rien mettre ici, je vais garder les unités ici. D'accord? Mais par exemple, si je prends les éléments porteurs ici, donc le béton armé. Donc, le béton armé, les poteaux, ils vont être calculés en mètre cube. Les poutres aussi en mètre cube. Les dalles aussi en mètre cube. Donc, vous remarquez ici que l'unité, et c'est la même unité qui se répète à chaque fois. Donc, pour éviter la répétition, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce n'est pas la peine de les mettre ici, d'accord? Et d'affecter l'unité au poste total. Donc, tu as les éléments porteurs, tous les postes qui sont inclus, on va les calculer en mètre cube. D'accord? Donc, je reprends. Quand est-ce que je mets l'unité dans le poste total? C'est quand vous avez tous les postes qui sont à l'intérieur en la même unité de mesure. D'accord? Mais, si les postes ont des unités différentes, non, je ne mets rien sur le poste, je ne mets pas d'unité pour le poste total. Et je donne l'unité à chaque poste. Je garde chaque poste sans unité. Puisqu'il est différent des autres. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est l'unité. Donc ici, par exemple, je vais barrer les mètres cubes. Je ne vais pas mettre ça. D'accord? Parce que, écoutez, le fait d'écrire toutes les unités sur tous les postes, ça charge beaucoup le tableau. D'accord? Et c'est pas très professionnel. D'accord? Donc ça, c'est pour la troisième colonne. Maintenant, on va passer à la quatrième colonne. La quatrième colonne ici, nous avons la NPS. C'est quoi NPS?
N, c'est le nombre. Je vais le mettre ici. C'est le nombre. Le nombre de quoi? De parties. Ou bien de, je peux mettre maintenant, parties similaires, d'éléments similaires. D'accord? Le nombre des éléments S, c'est semblable. Semblable. Ça veut dire quoi, semblable? Ça veut dire similaire, qui sont identiques. Et bien sûr, dans la construction, surtout dans le bâtiment, on trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de construction qui se ressemblent. Par exemple, on a la même section de poteau dans un étage, ou bien deux sections qui se répètent. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'aller de faire poteau 1, poteau 2, poteau 3, poteau 4, alors que le poteau 1, poteau 2, c'est la même chose, c'est la même coupe. D'accord? Donc, si vous avez l'élément, il se répète plusieurs fois, ce n'est pas la peine de faire le calcul à chaque fois. Donc, vous allez multiplier par le nombre. D'accord? Vous allez multiplier par le nombre. Donc, je cherche le poteau 1. Déjà, dans les plans, on trouve ça. Donc, ils ont le même repère. Par exemple, P1. Donc, je trouve P1 plusieurs fois. Je compte combien de poteaux j'ai. D'accord? Et ce n'est pas la peine d'aller calculer chaque ligne à part. D'accord? Donc, faites-la dans une seule ligne. Et bien sûr, je vais multiplier par le nombre. C'est bien sûr à condition qu'ils ont les mêmes dimensions. Ça veut dire quoi? La même longueur, la même largeur, la même hauteur. D'accord? Si une de ces dimensions elle échange, bien sûr, je dois créer un autre poste. C'est un autre poteau. D'accord? D'accord. Donc ici, le nombre d'éléments semblables. Je donne un exemple. Allez, donc je vais prendre un exemple. D'accord? Par exemple, une salle de cours comme notre salle. D'accord? Il dispose, par exemple, de 4 poteaux, de 6 poutres, d'accord? Et de 2 dalles. D'accord? Ils ont la même coupe. Donc, je vais prendre un exemple. D'accord? Donc, je vais prendre, par exemple, pour les poteaux. D'accord? Pour les poteaux. Ici, pour les poteaux, je vais prendre, par exemple, que j'ai 4. Pour les poutres, j'ai 6. Pour les dalles, j'ai 2. D'accord? Bien sûr, j'ai aussi des poteaux de postes qui n'ont pas d'autres éléments qui leur ressemblent. D'accord? Je n'ai pas un autre. Je n'ai qu'un seul poste dans ce cas. Donc, tu as le choix. Soit le fait de mettre en 1, comme tu peux rien mettre. Tu peux laisser cette case vide. Mais c'est dans le cas où tu n'as pas d'autres postes ou d'autres éléments qui est identique. D'accord? Très bien. Donc, béton de semelle aussi. Donc, je vais prendre ici le poteau. Je vais prendre 4 aussi. 4 aussi. D'accord? Et le béton propreté, je vais mettre 4. Je vais utiliser des semelles isolées. D'accord? Comme le croquis. D'accord? Donc, ça, c'est la quatrième colonne. Maintenant, je vais passer à la cinquième colonne. Donc, vous voyez que la cinquième colonne, elle est divisée en 3. Pourquoi? Parce que ici, je vais mettre les dimensions. D'accord? Les dimensions. C'est les dimensions de quoi? C'est les dimensions de la structure ou bien de l'élément que tu veux calculer. D'accord? Donc, quand je dis dimensions, on travaille sur 3D. Donc, nous avons toujours, pour n'importe quelle structure, nous avons la longueur, la largeur et la hauteur. Donc, dans cet ordre-là, je les mets ici. Donc, j'ai la longueur ici. J'ai la largeur en 2. Et j'ai la hauteur 3. Et il ne faut pas changer. D'accord? Il ne faut pas mettre hauteur, largeur, longueur. Ça, c'est dans cet ordre-là. D'accord? Longueur, largeur et hauteur. D'accord? Donc, je vais me baser sur les croquis que j'avais ici. Que j'ai ici. D'accord? Pour essayer de compléter ça. Mais quand même, j'ai un petit problème. Parce que je n'ai pas assez d'espace ici. D'accord? Je n'ai pas assez d'espace. Et je n'ai pas un cas d'accord pour traiter les terrassements. Donc, vous allez me permettre d'effacer cette partie-là pour, d'accord, détailler en fait le calcul. D'accord? Donc, je vais effacer ça. J'ai juste expliqué ici que voilà, que les travaux doivent être ordonnés, doivent être mis en ordre logique. D'accord? Donc, je vais effacer ici pour me laisser un peu d'espace, d'accord? Me laisser un peu d'espace pour faire les calculs en utilisant les croquis que j'ai dessiné ici. D'accord? Une autre remarque aussi, bien sûr, c'est dans le cas réel où vous allez, bien sûr, calculer tout le projet. D'accord? C'est dans le cadre professionnel, mais dans le cadre de la formation,
On n'est pas toujours demandé de faire le maîtrise de toute la structure. D'accord? Des fois, on donne juste quelques postes de la structure. D'accord? On ne peut pas faire tous les postes, on ne peut pas traiter tout un projet de A à Z, d'accord? Donc, quand même, on est limité dans le temps. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas toujours le cas que tu vas trouver un exercice qui va commencer depuis le terrassement jusqu'à la fin. Donc, des fois, on utilise quelques postes. Donc, tu vas calculer la fondation, les emporteurs, des fois le terrassement, ainsi de suite, d'accord? Donc, ce n'est pas obligé que votre exercice te demande de faire le calcul à partir du terrassement jusqu'à la fin, d'accord? Donc, tu peux juste calculer une partie de l'ouvrage. Donc, ça dépend des plans, bien sûr, disponibles. Donc, je vais effacer ça. D'accord? Je vais effacer ça, tout ça, en fait. D'accord? Pour me focaliser, d'accord, sur les éléments que j'ai traités ici. Donc, je vais mettre par exemple les éléments porteurs ou bien je passe à la fondation, d'accord? Donc, je fais la fondation, j'avais deux, donc deux, c'était deux la fondation. Donc, c'était deux la fondation, d'accord? Et j'avais dans la fondation, j'avais deux, un, le béton de propreté. D'accord, du béton de propreté. D'accord, et j'avais aussi 2-2, c'est le béton de fondation. Le béton de fondation, ou bien j'écris le béton de semelle. D'accord, le béton pour semelle. Pour semaine. Deux semaines. D'accord? Donc, je vais prendre la semelle ici. Je vais prendre la semelle ici. C'est une semelle isolée, d'accord? Donc, quand même, je peux ajouter le béton propreté. Je peux ajouter le béton propreté. Donc, supposons que nous avons un béton de propreté, d'accord? Sous la semelle, avec un empattement. D'accord, avec un empattement de. Donc, supposons que nous avons un béton de propreté. De propreté ici, d'accord, avec un empattement de 10 cm. D'accord, de 10 cm sous la semelle. Ça veut dire que la semelle, il repose sur. Sur un béton de propreté ici, comme ça, d'accord, comme ça, d'accord. Donc, supposons que j'ai ici un béton de propreté, d'accord, sous la semelle, d'accord. Donc, ici, je vais mettre l'unité, donc, comme on a dit. Si l'unité est commune, vous avez la même unité pour tous les postes à l'intérieur, tu vas la mettre où? Tu vas la mettre dans le poste total. Mais si tu as des unités différentes, non, il ne faut rien écrire ici. Il faut mettre l'unité à chaque poste que tu vas traiter. D'accord? Donc, supposons maintenant, pour le béton propreté, on veut calculer en mètre carré. Et là, le béton de semelle, c'est le mètre cube. D'accord? Donc, puisque j'ai béton semelle, donc comme j'ai déjà dit que je vais prendre 4 semelles, donc automatiquement j'aurai 4 semelles de béton de propreté. D'accord? Donc, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Donc, maintenant les dimensions, donc la longueur. Donc, ici la semelle, j'ai ici la semelle. On a dit que, voilà, pour les dimensions, il faut bien mettre les chiffres dans les cases correspondant, d'accord? C'est-à-dire que, écoutez, quand je dis que vous avez 1,20 m de longueur, ça veut dire que c'est 1,20 m de longueur, pas une largeur, ce n'est pas une largeur.
quand j'ai dit que j'ai un mur de 3 mètres de hauteur, je ne peux pas mettre 3 mètres dans la longueur. Parce qu'un mur de 3 mètres de longueur, ce n'est pas un mètre de 3 mètres de hauteur. D'accord? Ça change carrément ça change carrément les dimensions, ça change carrément l'élément. D'accord? Donc vraiment, je dois être très minutieux là-dessus. D'accord? Donc comme j'ai déjà dit, que comment je peux connaître que ça c'est une longueur, ça c'est une largeur, ça c'est une hauteur. Donc une règle très simple. Juste mettez un repère au x, y, à côté du plan que tu as. Mettez un axe comme ça, un repère comme ça, au x, y, z. L'essentiel, z, tu le connais, ça c'est la perpendiculaire. Donc ça c'est z. Je prends ça x ou ça y. Ça, d'accord, si tu changes, pas de problème. Donc j'ai z ici, x, y ici. Donc la première des choses, c'est quoi? C'est d'éliminer la hauteur. Comment je peux connaître la hauteur ici dans ces plans-là? C'est toute cotation qui est en parallèle avec l'axe OZ. C'est une cotation. Je prends la règle. La cotation qui est en parallèle avec OZ, où elle est ici? Donc j'ai 2,50 qui est parallèle avec OZ et j'ai 35 qui est parallèle à OZ. Ce qui fait que ça, c'est une hauteur. Et ça aussi, c'est une hauteur. Un 10, ce n'est pas une hauteur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas perpendiculaire à OZ. Ici, dans ce mur-là, où est la hauteur? Donc, c'est ça, ce qui est parallèle. Donc, ça, c'est la hauteur. Pour la poutre ici, où est la hauteur ou bien l'épaisseur? C'est ici, ça et ça. D'accord? C'est l'épaisseur. Parce que ici, la hauteur ou l'épaisseur, c'est la même chose. C'est quand vous avez des hauteurs, des petites hauteurs, ou bien ce sont des éléments en fait horizontaux, tu as l'épaisseur. Quand tu as des éléments verticaux, on nomme ça la hauteur. Toujours la hauteur, c'est quand même une distance qui est plus grande que l'épaisseur. D'accord? Donc pour les éléments horizontaux, la cotation en parallèle avec OZ, on la nomme épaisseur. Et pour les éléments verticaux, d'accord? Donc on nomme ça la hauteur. D'accord? Donc ça aussi, c'est l'épaisseur ou bien la hauteur. Donc je mets la hauteur ou l'épaisseur. Donc très bien. Donc pour moi, je traite la semelle de béton de Prou-Prout et bon, c'est pas la peine en tout cas. J'ai demandé le mètre carré. D'accord? Donc ici, j'ai par exemple 1,40. Ça, c'est pour la semelle. Mais pour le béton de Prou-Prout, j'ai un empattement. Empattement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, la semelle, elle va s'arrêter là. D'accord? Votre semelle, elle s'arrête là. Et vous avez un empattement. Un empattement. C'est-à-dire que la semelle, il sort, la semelle de béton Prou-Prouté, elle a un empattement 2. C'est comme ça, en fait. D'accord? Donc ça, c'est l'empattement. Ça, c'est l'empattement. C'est cette distance-là. D'accord? Ça s'appelle un empattement. J'ai un empattement longitudinal par rapport à la longueur et j'ai l'empattement transversal par rapport à la section. Et c'est ça en fait. J'ai l'empattement horizontal et longitudinal et transversal. On va voir ça par la suite. D'accord? Mais maintenant, je veux. Donc pour la hauteur, c'est clair. D'accord? C'est 0,35. Donc je vais mettre ici 0,35. Bien sûr, je dois. Écrire les dimensions en mètres parce que j'ai spécifié ici que je vais calculer en mètres. Donc j'ai 35 cm, c'est 0,35. Maintenant il me reste la longueur, la largeur. Donc après élimination de la hauteur, c'est très simple pour la longueur et la largeur, c'est toujours la distance la plus grande qui est la longueur. Donc j'ai ici normalement. Ah, pardon, j'ai quand même fait une erreur ici, ça c'est 0,35, c'est pour la semelle. D'accord, donc ici normalement, d'accord, il me demande de calculer la surface, mètre carré. Donc, mètre carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser deux dimensions parmi trois. Deux dimensions parmi trois. Donc, le béton Prou-Prouté, il est demandé au mètre carré. Donc, quelle est la surface que je veux calculer? C'est en fait. Bon, pourquoi déjà on a pris le béton armé en béton Prou-Prouté en mètre carré? Parce que la plupart du temps, cette couche-là, cette semelle-là, il est très. Très 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 petite, d'accord? Il a une épaisseur très très négligeable, 5 cm. Donc on s'intéresse plutôt à la surface. C'est comme le fait de calculer l'enduit, d'accord? Oui, il a une épaisseur, mais c'est de quelques millimètres, d'accord? Donc
ou quelques centimètres, d'accord? Donc, c'est surtout la surface qui compte, c'est ça qui compte, d'accord? Donc, pour notre cas, pour calculer la surface de béton propreté, je vais prendre quelle dimension? Donc, je vais négliger la hauteur, je vais négliger la hauteur, d'accord? Je veux la surface, en fait, la surface. Et pour calculer la surface, tu as besoin de la longueur et de la largeur. D'accord? La longueur et la largeur. Donc, j'ai combien de longueur ici pour le béton propreté? Donc, déjà, j'ai les cotations pour la semelle. J'ai 1,40 m, j'ai 1,10 m. Où est la longueur? Ah, la longueur, c'est 1,40 m. Et la largeur, c'est 1,10 m. D'accord? La longueur, c'est 1,40 m. Et la largeur, c'est 1,10 m. Pourquoi? Parce que 1,40 m est supérieur à 1,10 m. Moi, j'ai un empattement de 10. Donc, j'ai un empattement de 10. De ce côté et de l'autre côté. Donc, 1,40 m plus 10 plus 10. Ça fait 1,60 m. Très bien. Donc, 1,60 m. 1,60 m. Maintenant, la largeur. La même chose. J'ai toujours un empattement à droite et à gauche. 1,10 m plus 10 plus 10. Ça fait combien? Très bien. Ça fait 1,30 m. Et bien sûr, je vais mettre tirer devant la hauteur ou l'épaisseur. Pourquoi? Parce que je vais calculer une surface, pas un volume. Une surface. Donc, ça ne m'intéresse pas de connaître l'épaisseur de béton de propreté. Donc, je vais faire l'application numérique. Ou pas encore, je vais garder comme l'application à la fin. D'accord? Je vais placer par exemple béton de semelle. Donc, la semelle. D'accord? Je vais faire la même chose. Donc, dimension pour la longueur. Je vais mettre quoi? La longueur. Combien? C'est, oui, c'est effectivement, c'est 1. C'est 1,40 m. Et la largeur, effectivement, 1,10 m. Et la hauteur, c'est 0,35 m. D'accord? Très bien. Donc, je vais maintenant passer à la case suivante ou la colonne suivante. Donc, après le fait d'écrire en fait les dimensions, il faut respecter deux choses. Premièrement, je dois mettre chaque chiffre dans sa case correspondante. Comme j'ai déjà dit, il faut pas, c'est vraiment une erreur fatale de changer l'emplacement de la longueur avec la largeur. Quand même, le tableau de Maitre, ça représente comme un guide en fait, un guide pour la construction. D'accord? Un guide pour la construction. Donc, une semelle qui fait 1,10 m de longueur et 1,40 m de largeur, c'est pas la même chose comme 1,40 m fois 1,10 m. Et 0,35, d'accord? Donc, tu ne peux pas changer ça. Oui, bien sûr, les calculs, ça donne la même chose parce que tu vas multiplier. Mais la réalisation, le réel, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord? C'est pas la même chose. D'accord. Donc, je vais passer à la colonne numéro 2. Et j'ai dit aussi la deuxième remarque. Premièrement, il faut mettre les chiffres dans les cases appropriées. Comment? D'accord? Vous avez la règle. Il faut juste l'appliquer. D'accord? Il faut juste l'appliquer. D'accord? Deuxième chose, il faut que les unités, les chiffres soient en mètres. Obligatoire. Obligatoire. Donc, quand tu as le centimètre, tu dois le convertir en mètres. Quand tu as le millimètre, tu dois le convertir en mètres. D'accord? Très bien. Maintenant, je passe à la colonne numéro 2. La colonne numéro 2, ici, j'ai la quantité. J'ai la quantité. Et dans la quantité, j'ai deux colonnes. J'ai quantité plus, j'ai quantité moins. J'ai quantité plus et j'ai quantité moins. Ça veut dire quoi, quantité plus et quantité moins? Vous vous rappelez quand on a dit que dans le cas de calcul d'une surface simple ou composée, dans le cas de calcul de surface composée, on a dit comment on va procéder si vous avez une surface composée. Une surface composée, par exemple, comme ça. Ça, c'est une surface de dalle, par exemple. Et on veut calculer la surface. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? On a dit qu'il y a deux méthodes, deux façons de faire. Donc, soit procéder par décomposition intérieure, soit procéder par une décomposition extérieure. D'accord. Je vais expliquer, je vais parler de cette décomposition extérieure. Ça veut dire quoi, décomposition extérieure? Donc, vous allez essayer de compléter la forme, d'accord, comme ça. Et prendre la forme pleine, donc vous avez une surface pleine et vous allez soustraire la surface vide. D'accord? Donc votre surface totale, ça va être SP moins SV. Donc si vous avez cette forme-là, comment on va la rédiger dans le tableau?
Et tout le calcul doit être mentionné dans le tableau. Donc, si je vais faire une décomposition d'une surface, comment je vais la rédiger ici? C'est ça, en fait, l'objectif de la case plus et moins. Donc, quand vous allez utiliser la décomposition extérieure, quand vous allez faire cette soustraction, vous allez mettre la quantité SP, qui est considérée comme la surface pleine, dans la quantité plus. Et vous allez mettre SV, qui est le vide que tu dois retrancher, dans la quantité moins. D'accord? Je reviens. Pour la quantité moins, ça veut dire pas une quantité fait un moins quelque chose. Ça, c'est pas logique. Impossible, un acte qui a moins quelque chose. Pourquoi? Parce que la quantité, ça vient des dimensions. Et je trouve un moins ici, ça veut dire qu'il y avait un moins dans les dimensions. Donc, ça veut dire quoi, un poteau fait moins 3 mètres? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. D'accord? Ça veut rien dire. Les dimensions sont les distances, donc elles sont toujours positives. D'accord? Sont toujours positives. Donc le fait d'avoir moins, ça c'est absurde. Mais c'est moins parce que tu vas les retrancher. Donc quand tu vas faire une décomposition extérieure, tu vas utiliser cette case-là, les deux cases. Sinon, si tu vas faire une décomposition intérieure, tu as que l'addition. Tu as que S1 plus S2 ou le V1 plus V2. Dans ce cas, tu vas utiliser juste cette case-là. D'accord? Donc je vais donner quand même un exemple dans le cas du mur, comment on va rédiger ça. Mais juste pour vous donner une idée. Où est la... Donc, juste pour vous donner une idée, ça sert à quoi? Donc, interdit la quantité plus moins, plutôt moins, c'est dans le cas où tu vas procéder par décomposition extérieure. C'est ça, c'est le seul cas où tu vas remplir en fait cette case-là. Sinon, ça, c'est suffisant. D'accord? Donc, je vais faire les calculs pour le béton de propreté et pour le béton de cement. Donc, j'ai pour le béton de propreté, je vais mettre quoi? Je vais calculer quoi? Je vais. Bon, oui, c'est un parallélépipède rectangulaire. Donc, c'est la longueur. En fait, c'est un rectangle ici, c'est un rectangle. Donc, je vais mettre 1, 6 fois 1, 3. D'accord? Donc, ça me donne 2,08. D'accord? Ça, c'est la surface de quoi? D'une seule semelle de propreté. Moi, je n'ai pas une seule semelle de propreté. J'ai combien de semelles? J'ai 4 semelles. Donc, je dois multiplier fois le nombre. Donc, avant d'écrire la quantité ici, il faut obligatoirement de multiplier ça fois le nombre d'éléments semblables. Donc, je vais faire fois 4, j'ai 8,32. 8,32. Donc, je vais l'écrire au plus ou moins. Donc, je n'ai pas fait de décomposition extérieure, je vais la mettre ici. Donc, 8,32. Et aussi, je signale aussi que la bonne écriture dans le tableau, les chiffres doivent être très clairs, bien écrits, d'accord, pour ne pas trouver des difficultés pour d'autres personnes qui vont lire ça. D'accord. Pour la bleue béton de semelle aussi, on va faire la même chose. C'est un parallélépipède rectangulaire. Donc je vais mettre 1,4 fois 1,10 fois 0,35. Très bien. Bien sûr, fois, j'oublie pas, fois 4. Donc ça donne 2. 156. 256. D'accord? D'accord. Donc maintenant, on va passer à la dernière colonne. Donc, il y a là la quantité aussi. Aussi, ici, j'ai la quantité. Ici, j'ai la quantité. La quantité, elle est divisée en trois. La première colonne ici, c'est auxiliaire. C'est la quantité auxiliaire. D'accord? Auxiliaire. Et ici, c'est la quantité partielle. Et ici, la quantité totale. Donc, pourquoi j'ai auxiliaire, partiel et total? En fait, c'est dû à quoi? C'est dû au numéro de poste, d'accord? Au grade, en fait, de poste. J'ai des postes qui sont total, comme par exemple terrassement, fondation. Et j'ai des postes qui sont incluses dans ces postes. D'accord? Donc comment je peux savoir? La règle, c'est quoi? C'est quand il y a un seul chiffre ici, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Ça veut dire que ce poste-là, il est total. Donc ici, c'est quand vous avez total, c'est un seul chiffre. Quand il y a deux chiffres, tu as mis ici deux chiffres, là, demain, deux chiffres, deux, un, deux chiffres, d'accord? C'est un poste partiel.
Et quand tu vas mettre, on va donner un exemple. Quand tu as trois chiffres ici, par exemple, dans le béton de semelle, c'est pour, on va voir ça dans la poutre, tu vas décomposer le béton de semelle. Donc, tu auras ici 2, 2, 1, 2, 2, 2. Tu auras trois chiffres. Donc, dans ce cas-là, c'est l'auxiliaire. Donc, un seul chiffre, c'est total. Deux chiffres, c'est partiel. Trois chiffres, c'est auxiliaire. D'accord? Donc, maintenant, j'ai la quantité 8,32 et je veux l'écrire. Je veux l'écrire. D'accord? Je vais la mettre en auxiliaire, en partiel ou en total. Comme j'ai déjà dit, ça dépend du grade, du numéro d'ordre du poste. C'est-à-dire, je vais dire 8,32, il correspond à quel poste? Il correspond au béton de propreté. Ce poste-là, il a combien de chiffres ici? Il a deux chiffres. Ça veut dire que la quantité doit être écrite ici. Donc 8,32. La même chose pour le béton de semelle. Donc j'ai par exemple 2,156. D'accord? Cette quantité-là représente quoi? Représente la quantité de béton de semelle. Ce béton de semelle, il a combien de chiffres ici? Il a deux chiffres. Donc je vais l'écrire ici. Donc 2,156. D'accord? D'accord. Maintenant, bien sûr, ce sont deux postes qui sont inclus dans la fondation. La question qui se pose, est-ce que j'ai le droit de faire la somme? Est-ce que j'ai le droit de faire la somme de postes fondation? En fait, il y a une condition pour que tu fais la somme, pour que tu peux faire la somme. D'accord? Il y a une condition. Il faut que les postes en ça représente le même matériau en fait. D'accord? Ils ont le même prix. Ils ont le même coût. D'accord? Le même prix unitaire. On a déjà dit que pour calculer le coût, qui est l'objectif final de maîtrise, on va prendre la quantité, on va la multiplier par le prix unitaire. Maintenant, si tu vas sommer les deux quantités maintenant ici, dans le béton propreté et le béton de semelle, tu vas les multiplier par quoi? Par le prix unitaire de béton propreté ou bien par le prix unitaire de béton de semelle? Je vais poser la question suivante. Est-ce que le prix unitaire d'un béton propreté égale au prix unitaire d'un béton de fondation? D'accord, j'attends pas la réponse. Encore une autre question. Est-ce qu'un béton de propreté, c'est la même chose qu'un béton de semelle? Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'accord? Pourquoi? Parce que le béton de propreté, c'est un béton qui est maigre. C'est un béton qui n'est pas bien dosé en ciment. D'accord? C'est un béton, on dit que c'est un béton maigre. Mais le béton de fondation, non, ça change. Vous avez un dosage important de ciment. Et on a vu aussi dans le module de formulation de béton que, bien sûr, pour estimer le coût de béton, c'est en fait la somme des coûts des constituants. Quand tu as un béton avec un dosage de 300 kg de ciment, ce n'est pas le coût d'un béton qui a un dosage de ciment égal à 400 kg. D'accord? Donc, plus tu as de dosage, plus tu as normalement de coût. Bien sûr, ça diffère en fonction du type de ciment que tu vas utiliser. D'accord? Donc ici, est-ce que je fais la somme? Non, faut pas faire la somme. Donc, premièrement, logiquement, tu ne peux pas faire la somme, d'accord? Parce que tu as deux unités. Donc, tu as mètre carré, mètre cube, comment tu fais? Tu peux faire la somme. Donc, c'est absurde de faire la somme entre une surface et un volume. Ça ne veut rien dire. Mais plus que ça, même si vous avez la même unité, tu n'as pas le droit de faire la somme. Pourquoi? Parce que les deux postes n'ont pas la même, n'ont pas, c'est pas le même matériau pour moi, même si c'est pas le même. Des fois, je peux trouver deux matériaux qui coûtent la même chose, mais je ne peux pas faire la somme. Il faut que ils sont construits avec le même matériau. Par exemple, le béton que je vais utiliser pour la semelle, est-ce que c'est le même béton qui est utilisé pour le poteau? C'est le même béton, c'est la même formulation qu'on a utilisée? Oui. Maintenant, oui, je peux faire la somme dans le maîtrise. Mais si il y a un changement, d'accord, dans les constituants, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire la somme. Est-ce que c'est clair? J'espère que cette remarque, ça m'a soit très très clair et soit respecté, d'accord, pour vous, sinon vous allez faire n'importe quoi, n'importe quoi. D'accord, on va pas faire ça, d'accord, mais bien sûr, puisque ce sont des postes qui sont, d'accord, il ne reste rien, donc je peux les mettre dans les postes directement ici, d'accord, mais là, je ne préconise ça du tout, d'accord, je préfère qu'il reste dans la partie partielle, d'accord? D'accord, donc je vais passer par exemple aux éléments porteurs. Donc maintenant, j'ai par exemple poste 3,
3. On va voir si vous avez bien compris, d'accord? Donc, je vais faire éléments, les éléments porteurs. Les éléments porteurs. Écoutez, moi, j'ai choisi ici éléments porteurs. Ça dépend des exercices. Des fois, tu trouves un autre nom, d'accord? Moi, j'ai donné ce nom. Mais bien sûr, pour toi, tu as le travail demandé, tu as le descriptif, tu as le nom. Donc, il faut juste prendre le nom, d'accord? Donc, j'ai dit, et exercice, tu vas trouver éléments porteurs. D'accord, ça peut être nommé autrement. D'accord, dans les éléments porteurs, je vais par exemple, j'ai un poteau. D'accord, j'ai un poteau. D'accord, j'ai une poutre. Des poteaux, des poutres. J'ai des dalles. D'accord, donc poteau, ça va être quoi ici? 3, 1, poutre. 3, 2, dalle, 3. D'accord? Je passe. Donc, supposons que les éléments porteurs ils sont demandés au mètre cube. Donc, je vais faire quoi? Je vais écrire l'unité exactement au poste total. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de les répéter ici. Pourquoi? Parce que j'ai toujours la même unité. Donc, ce n'est pas la peine de répéter la même unité. Je passe au nombre d'éléments semblables. Donc, on a dit que je vais prendre 4 poteaux. D'accord, 6 poutres et 2 dalles. C'est un exemple, c'est juste un exemple. Pour toi, bien sûr, tu as un plan que tu dois suivre. Donc, pour la dimension, je prends ici, donc le plan ici, j'ai la semelle. D'accord, j'ai la semelle ici, j'ai le poteau ici et j'ai la poutre ici. D'accord, donc je commence par le poteau, le nombre, j'ai écrit 4. Maintenant, les dimensions. Donc, vous voyez ici, j'ai les cotations, j'ai 25, 30 et 2, 5. La première des choses, c'est éliminer la hauteur. Donc, où est la hauteur? C'est 2,5. Donc, je mets 2,5 ici, dans la hauteur. 2,5. 2,50. Deux chiffres après la virgule. D'accord? Maintenant, il me reste la longueur et la largeur. Donc, j'ai 30 et 25. La plus grande, c'est la longueur. Donc, 30. 30 cm. Donc, je dois la mettre en mètres. Donc, c'est 0,30. 0,25. D'accord? Et bien sûr, je fais les calculs, c'est une forme qui est simple. La longueur fois la largeur fois la hauteur. 2, 5. Et bien sûr, j'oublie pas de multiplier fois le nombre par le nombre d'éléments similaires. Donc, fois 4. Donc, j'ai 0,75. Donc, 0,75. Bien sûr, je vais utiliser que la colonne plus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de décomposition extérieure. Donc, 0,75. Mais puisque c'est un volume, je dois m'arrêter au troisième chiffre. Bien sûr, ici, je n'ai que 0. Donc, je dois mentionner qu'il y a 0. Trois chiffres après la virgule. Comme j'ai déjà dit, c'est une règle à respecter. D'accord. Donc, cette quantité-là, je dois la mettre où? 3, 1. Maintenant, on va poser la question. 0,750. Il représente quoi? Il représente le poteau. Le poteau, il a combien de chiffres? Il a deux chiffres. Donc, partiel. 0, 7, 5, 0. D'accord? Je passe à la poutre. Donc, nous avons la poutre ici. J'ai pris une poutre qui a cette forme en T. D'accord? Pour pratiquer un exemple de décomposition extérieure. Donc, pour calculer cette poutre-là, c'est une simple, c'est une surface, c'est un volume simple ou composé? C'est un volume composé exactement. Donc, on va procéder par décomposition. Donc ici, vous avez le choix soit de faire la décomposition intérieure, soit l'extérieure. Comme j'ai déjà dit, le choix entre la décomposition intérieure et extérieure, c'est le nombre de formes que vous allez obtenir. Donc ici, si je fais la décomposition intérieure, j'aurai deux formes, F1 et F2. Ici, je fais la décomposition extérieure. J'ai aussi deux formes, d'accord? Donc ici, vous avez le choix. Donc bien sûr, moi, je vais choisir la décomposition extérieure pour vous montrer comment vous allez rédiger ça sur tableau. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser la décomposition intérieure. Donc, là, j'ai écrit poutre ici. Mais là, j'ai besoin de plus qu'une ligne, je dois décomposer, alors que moi, j'ai déjà écrit dalle. C'est pourquoi, d'accord? Il ne faut pas écrire les postes au préalable. Il ne faut pas mettre les postes tout d'abord et après faire les calculs. Non, il faut aller doucement, il faut aller petit à petit, il faut aller poste par poste.
post. Ça veut dire quoi? Tu écris le post, tu le calcules, tu finis et après, tu passes au post suivant. D'accord? De la gauche à la droite jusqu'à la fin. Mais n'écris jamais, d'accord, les postes au début, tous les postes et après tu fais le calcul parce que des fois, comme le cas ici, tu as besoin de faire la décomposition. Donc je n'ai pas laissé assez d'espace. Donc pour moi, j'ai la brosse, je peux effacer. Pour toi, bien sûr, ça va être du brouillon. D'accord? Donc tu vas essayer de faire n'importe quoi. D'accord? Donc je vais ici faire ça. Poutre. Donc pour la poutre, je ne peux pas la calculer dans une seule ligne. Pourquoi? Parce que j'ai une forme qui est composée, donc je dois la décomposer. Donc je vais la décomposer de l'extérieur. Donc je ne sais pas si je peux. Donc je vais effacer quand même ici. Je prends la coupe, d'accord? Je vais vous montrer la coupe pour voir comment je vais faire la décomposition. Donc la coupe ici, la coupe transversale, j'ai un truc comme ça. C'est ça la coupe, d'accord? Donc, cette forme, elle est composée. Comme j'ai déjà dit, je vais la décomposer en extérieur. Donc, je vais faire quoi? Je vais la compléter. Donc, je vais essayer de la compléter comme ça. D'accord? Donc, je rentre le grand rectangle et je vais soustraire ces formes-là. D'accord? Ces formes-là. D'accord? Donc, je fais quoi? Je fais quoi? D'accord? Donc, pour la poutre, je vais la calculer directement. Par exemple, donc je vais prendre le cas, comme j'ai dit, S plein ici. Donc, j'aurai besoin de la dimension ici et de là à là. Donc, de là à là, j'ai 15, 10, 15, ce qui fait que c'est 40, c'est ça? Oui, c'est 40. D'accord? Et j'ai la hauteur ici, donc j'ai 15 plus 10, donc j'ai ici 25. J'ai ici 25. D'accord? Et bien sûr, la longueur ici, c'est celle-là. C'est ça la longueur. D'accord? Donc, je vais faire quoi? La longueur, donc c'est 6,10. La largeur, c'est, comme on a dit, non, elle dit 25, c'est la parallèle au Z. Donc, c'est une hauteur. D'accord? Donc, 6, 10, et j'ai 0,40 en largeur et j'ai 0,25 l'épaisseur. D'accord? Je vais faire quoi? J'ai considéré que c'est plein, que c'est un rectangle. Est-ce que c'est réel? Non, ce n'est pas réel. Mais je n'ai pas fait, je n'ai pas encore fini. Je vais juste calculer cette quantité-là. D'accord? Donc j'ai 6,10 fois 0,40 fois 0,25 fois 6. Ça donne 3,660. Je vais la mettre où? Je vais la mettre en plus. 3. 660. Je ne vais pas la transférer dans l'autre case. Pourquoi? Parce que c'est une quantité qui n'est pas réelle. Moi, j'ai imaginé, d'accord, que c'est plein, que c'est tout est plein. Alors que non. Juste pour m'aider à faire le calcul. Donc, comment dirais-je? Donc, je dois retrancher en fait les vides. C'est-à-dire, je vais déduire les vides. Donc, je vais écrire quoi? Je vais écrire ici à déduire. À déduire, le verbe déduire. Donc, à déduire. Et je mets quoi? Je mets les postes que je vais déduire. Donc, j'ai combien de formes? À déduire. D'accord? À déduire, bon, puisque j'ai une seule forme, donc ce n'est pas la peine d'aller calculer ici, je calcule dans la même ligne. Donc, j'ai combien à déduire? J'ai ça. Donc, je mets S1 et j'ai S2. Ou puisque ça est au milieu, j'ai S1 égale à S2. Donc, c'est pour moi, c'est une seule forme que je vais multiplier par 2. Donc, j'aurai combien de nombres? J'aurai 2. 2. D'accord? 2. Bon, je peux l'écrire en noir pour qu'il soit clair. Donc, j'ai 2. J'ai deux, oui, j'ai deux. D'accord? Donc deux normalement. En fait, j'ai deux éléments. D'accord? J'ai dit deux éléments à retrancher. D'accord? Mais j'oublie pas que j'ai six poutres. Que j'ai six poutres. D'accord? Donc je vais faire quoi? Je vais deux éléments fois 6. Donc j'ai deux éléments par poutre. Donc j'ai 12 ici. J'ai
12 ici. 12 minuta, c'est 6 parce que j'ai 6 poutres. Et chaque poutre, tu as deux éléments à retrancher, qui sont identiques. Donc j'ai 12 par exemple. 12, bien sûr. Donc la longueur combien ici? La longueur, c'est cette quantité-là, toujours là. La longueur, c'est ça. Donc c'est toujours 6,10. La largeur, c'est ça. La largeur, c'est ça. C'est 15. C'est 0,15. Et la hauteur, c'est combien? C'est 10. C'est 10 ici. D'accord? C'est 10. Donc 0,10. Et je fais les calculs. Je fais l'application numérique. Donc j'ai 12 fois 6, 10 fois 0,15 fois 0,10. 12, 6, 10, 0, 15, 0, 1. Ça donne 1,098. Où je vais mettre cette quantité-là? Est-ce que c'est une quantité réelle? Non, il n'est pas réel. Toutes les quantités que vous allez écrire dans la case à déduire doivent être écrites notées dans la quantité moins ici. Donc, je vais mettre combien? 1,098. Donc, 1,098. D'accord? Donc, la quantité moins, il ne concerne en fait que les quantités qu'on va déduire. Ce sont les quantités déduites. D'accord? Ce sont les quantités déduites. D'accord? Donc maintenant, pour calculer la poutre, je vais faire quoi? Je vais prendre la quantité que je mets ici, plus, et je vais retrancher les vides. Donc je vais prendre 3, donc ça, moins 3,6. Donc ça donne 2, 5, 6, 2. 2, 5, 6, 2. D'accord? Donc je vais m'arrêter ici. Je vais dire, cette quantité-là, je vais la mettre où? Totale, partielle ou auxiliaire? Je vais poser la question. Cette quantité-là, qui est la soustraction, qui est 3,660 moins ça représente quoi? Ça représente la quantité de béton dans les poutres. Et les poutres, ici, le poste-poutre, il a combien de chiffres? Il a 2, ce qui fait que la quantité doit être écrite. 2, 2 chiffres, c'est partiel, donc ici, mais devant le poste ici. Donc j'ai combien? J'ai 2, 5, 6, 2. 2, 5, 6, 2. D'accord? D'accord. Ensuite, par exemple, donc supposons que j'ai que les poteaux et les poutres, d'accord, pour faire encore la maçonnerie. Donc, puisque, bon, on va supposer, on va ici dire, est-ce que j'ai le droit de faire la somme entre le béton de poteau et le béton de poutre? Donc, la question que je dois poser, est-ce que c'est le même béton utilisé pour réaliser la poutre? C'est le même? Pour vérifier ça, c'est simple, il faut juste vérifier les dosages, d'accord? Est-ce que tu as le même dosage de granulat, de ciment, ainsi de suite. D'accord? Surtout le ciment et les granulats. D'accord? Donc, si tu as la même chose, d'accord? Donc, tu peux faire la somme. Mais si le béton de poteau est différent du béton de poutre, non, il ne faut pas faire la somme. Donc, ici, pour le cas ici, je vais supposer que c'est le même béton. Donc, je vais faire la somme. D'accord? Donc, quand tu vas faire la somme des deux postes partiels, tu vas le mettre en total et devant le poste, ici. Donc, on va prendre ici 2. Donc, 2. 5 plus 6, ça fait 11. Et 7 plus 5, ça fait 12. Plus 1, ça fait 2. C'est ça? 5 plus, ça fait 12. Oui, et 13. Donc, 3 ici. 3 ici. Donc, 1 ici, c'est 3. Donc, 312. D'accord? Donc, pour le mur maintenant, d'accord? Pour le mur maintenant, je pense que c'est clair. D'accord? C'est clair. Donc, pour calculer le mur de maçonnerie, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout le mur, d'accord? Et le mettre dans la quantité plus, et après calculer la fenêtre à part. Donc, je vais mettre à déduire, et je vais écrire la fenêtre, et je la calcule, je vais la mettre en moins, et la porte, pardon, aussi dans la calcul dans la colonne moins, et après bien sûr je fais la soustraction. C'est comme le cas de la poutre. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. D'accord? Je n'ai pas d'espace pour faire la maçonnerie, mais je pense qu'on aura l'occasion de faire ça dans d'autres exercices. D'accord? Donc j'espère que c'est clair, et bien sûr on va maintenant
être apte à commencer notre premier exercice, d'accord? Ou puisque c'est notre premier exercice, c'est pourquoi je vais premièrement expliquer en fait l'exercice et je vous demande bien sûr de faire de faire l'exercice pour passer à la correction. D'accord? Donc je vais faire une autre vidéo pour ça.